Meghan Markle a le sens de l'hommage. Lors de son arrivée aux îles Fidji, le 23 octobre, la duchesse de Sussex a fait quelques clins d'œil vestimentaires aux membres de la famille royale. Un clin d'œil à la reine. Meghan Markle a choisi avec brio sa première tenue pour son arrivée aux îles Fidji. La duchesse de Sussex a en effet opté pour une robe fourreau blanche, dont la longueur tombait parfaitement juste au-dessus de ses fines chevilles. Assortie d'une bibi la même couleur, cette robe signée Zimmermann donnait un ton très chic à ce déplacement officiel. Meghan Markle avait ajouté deux petits clins d'œil à la famille royale, comme l'a remarqué Hello. D'abord à la reine Elisabeth II, en portant une paire de boucles d'oreilles en diamant et perles que la souveraine lui a offert. Et au prince Charles, en portant un bracelet qu'il lui a donné. De petites attentions qui ont dû ravir la couronne. Meghan Markle et le prince Harry sont en tournée officielle, depuis le 15 octobre. Le couple a démarré par l'Australie. Ce jour-là, alors que le couple atterrissait au pays des kangourous, l'annonce de la grossesse de la jeune femme était faite du côté de l'Angleterre. Depuis, Meghan Markle affiche fièrement son baby bump à travers des tenues sobres mais très chics. Et si elle garde un sourire solaire en toutes circonstances, la jeune femme accuse un peu le coup. Elle enchaîne en effet les déplacements et les représentations officielles. Tout cela alors qu'elle vit ses premières semaines de grossesse. La duchesse de Sussex avait été contrainte il y a quelques jours d'annuler sa présence à quelques engagements royaux. Interrogée par le magazine britannique Hello, une source royale s'est voulue rassurante affirmant que cette annulation n'avait aucun rapport avec la grossesse de Meghan Markle, et que l'épouse du prince Harry se portait comme un charme. Elle n'est ni malade ni épuisée et se sent bien, a affirmé cette source. Times through the rough times, I think you've got